La guerre et l'aventure s'y sont joués souvent. Jacopo voulait un théâtre de la vulgarité, un théâtre du XXe siècle. Barrault, il a imprimé une marque exigeante et novatrice. Albert Camus disait, il y a un avant et un après Copo.
les mettant par leur prix, à la portée de toutes les bourses. Songez qu'au fond de la salle, on pouvait obtenir un fauteuil pour 2,50 francs. C'était le prix de l'ancien parterre de la Comédie française, si recherché des hommes de ma génération. Françoise Gillard adore le vieux Colombier.